J'ai peur de me tromper. Trois pistes pour oser, même si on a peur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, eh bien, j'aimerais aborder cette thématique de l'erreur, du droit de se tromper et de comment, eh bien, aller de l'avant, même si on a peur d'y aller. J'aimerais vous partager trois pistes d'exploration, pour moi les plus importantes, pour eh bien, apprivoiser cette peur-là et y aller quand même, même si la peur est là, même si cet inconfort est là. La première piste que je trouve très importante, c'est l'idée de relativiser le choix face auquel on est. Je sais que bien souvent, on est persuadé qu'il y a nous aujourd'hui, notre choix et ici l'alignement. Et donc, il ne faut pas se tromper de choix parce qu'il y a un choix qui nous mène là-bas et un choix qui nous mène à l'alignement. Et la réalité est bien différente. En fait, ce n'est pas notre choix qui va faire que nous sommes alignés ou pas. Nous pouvons dès maintenant nous centrer sur les qualités d'être que l'on a envie de ressentir. Nous pouvons dès maintenant venir nourrir qui l'on a envie d'être. Et ensuite, seulement depuis cet espace-là, eh bien, tâcher de faire le meilleur choix. Pour moi, c'est clair de changer déjà de regard sur l'alignement, donc arrêter de voir les choses de cette façon. Et puis, se dire qu'au-delà du choix face auquel on est, il y a vraiment une direction plutôt, une vision à avoir. Si je passe du temps à savoir qui je veux être, à savoir où je veux aller, si je passe du temps avec eh bien, les ressentis liés à cette destination, parce qu'en fait, la destination, ce qui nous intéresse, c'est un ressenti. On a envie de vibrer certaines choses, on a envie de ressentir certaines choses. Et donc, en réalité, je peux passer beaucoup de temps avec cette vision-là, avec cette direction-là. Et qu'en réalité, le choix que je fais, eh bien, ce n'est pas la cause de « je vais être alignée ou pas », mais c'est la conséquence, en fait. Je me mets dans cet espace-là, de ces ressentis idéaux que j'ai envie de ressentir, et puis de cet espace-là, eh bien, je fais mon choix. Ça, c'est la première piste pour moi, et je trouve qu'elle est très importante. Donc, passer plus de temps avec sa direction et moins de temps avec ses choix. La deuxième piste que je trouve aussi importante, toujours dans cette idée de relativiser cette notion de choix, c'est, vous savez, ce fameux conte zen, je ne vais pas vous le raconter, mais cette idée de « on verra bien ». Est-ce que ça, c'est une bonne ou une mauvaise chose? On verra bien. Parce qu'en réalité, c'est difficile de juger si un choix est mauvais ou pas, si une expérience est mauvaise ou pas, dès lors qu'on s'inscrit dans cet état d'esprit d'apprendre, de grandir avec nos expériences, eh bien, finalement, tout ce qui se présente à nous, c'est un support d'éveil à soi-même. Et donc, ici, ma proposition, ma piste d'exploration, ce serait de passer un peu de temps avec vos mauvais choix du passé. Parce que si on a peur de se tromper aujourd'hui, c'est parce qu'on a le sentiment qu'on s'est déjà trompé et qu'on a peur de refaire la même chose. Donc, passer un peu de temps avec ces mauvais choix du passé et puis essayer de répondre à cette question. En quoi ces choix-là m'ont aidé à grandir? Qu'est-ce que j'ai appris grâce à eux? Qui suis-je aujourd'hui grâce à ces mauvais choix-là? La troisième piste que j'aimerais vous partager, si vous êtes face à cette peur de vous tromper et que vous n'osez pas vous lancer, eh bien, c'est de vous dire que la plus belle façon d'avancer tout de suite maintenant, c'est de tourner votre regard vers vous. Vraiment d'aller voir un petit peu à quoi ressemble cette peur de se tromper. Quelle tête est là, cette peur de se tromper? Comment elle se manifeste dans mon corps, cette peur de se tromper, cette peur de faire cela, de passer à l'action? Comment ça se manifeste dans mon corps? Est-ce qu'il y a un poids? Est-ce qu'il y a une tension? C'est où exactement? Est-ce qu'il y a une couleur à laquelle ça ressemble? Est-ce qu'il y a des mots qui peuvent mieux décrire ce ressenti-là particulier? Et puis au-delà de ça, c'est vraiment de passer du temps avec cet inconfort, le laisser nous traverser, passer du temps avec cette peur, accepter pleinement l'existence de cette émotion, de cet inconfort-là. Parce qu'en réalité, c'est ça qui nous fait grandir. Ce qui nous fait grandir, ce n'est pas le choix qu'on va faire. C'est comment est-ce que je vais me laisser traverser par cette peur? Comment est-ce que j'accepte l'existence de cet inconfort? C'est comme ça, en fait, qu'on grandit, en créant de l'espace au sein de cet inconfort. Et ça demande d'oser le regarder. Donc, plutôt que d'aller encore une fois chercher ailleurs des réponses à ce qui se passe là, réaliser qu'en fait, la solution, la clé pour grandir, elle est dans l'inconfort qui se manifeste.
elle est exactement dans cet inconfort. Donc, comment je peux me laisser traverser par ça? Comment je peux trouver de l'espace au sein de ça? Et c'est exactement comme ça qu'on va grandir. Ça, c'est pour moi vraiment les trois pistes essentielles quand on a peur de se tromper, qu'on n'ose pas se lancer. J'ai fait une autre vidéo il n'y a pas longtemps sur comment accueillir ces parts d'ombre, ces zones d'ombre. Je vous invite vraiment à aller la voir parce que je reviens un peu plus en détail sur cette idée d'intégrer l'inconfort, d'accueillir, de passer du temps avec, et je vous décris un petit peu mieux comment est-ce que ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne ou à me laisser un petit message si elle vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée.